Où c'est l'homme qui a clairé bien? Où c'est lui? Nous allons lire la Bible avec moi. Nous allons aller dans Proverbe chapitre 2, le verset 6. Proverbe chapitre 2, verset 6. En fait, lecture en créole et en français. Il dit : c'est Seigneur qui bail connaissance. Parole qui sortit dans bouche li, bail l'esprit à comprendre. Amen. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Amen. Amen. Adorable Père Saint Jésus, Papa, nous qui dans le ciel, nous glorifions le nom, nous magnifions le nom. Nous te remercions, Père, pour parole, parole qui c'est une lampe, parole qui c'est lumière. T'en prie, Seigneur. Aidez-nous pour que l'eau qui peut passer dans le canal ça est capable d'arroser chaque cœur matin et est capable de désaltérer chaque monde qui soif matin afin que nous soyons capables de glorifier au nom de Jésus. Nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. N'a pas pensé, mes bien-aimés, dans moi sagesse là. N'a pas avancé très sérieusement. Et si nous avons fait une autre lecture pour vous, que nous joignons dans 1 Roi, chapitre 3, le verset 12, il dit : voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Amen. Matin, frère Samio, nous t'aimerions parler de onction sagesse. Là. C'est deux mots, où est onction et où est sagesse. Et le nous mettons ensemble, les vins gagnent ont l'autre signification. Les vins ban nous, ils ont l'autre sens. Et nous vins ont l'autre signification qui vini, et gen, nous vins ont que les révéler nous tout, ils ont un rôle précieux. Un rôle vital dans l'existence humaine, dans l'existence monde. Regardez, frère Samio, la parole de Dieu dit non, que c'est bon Dieu qui bail connaissance. Et parole qui sortit dans la bouche, li, bail l'esprit à comprendre. Donc, ça veut dire, frère Samio, il n'a pas parlé de onction sagesse. Nous voyons que il y a une transformation dans l'air, il y a une transformation radicale de l'état esprit monde qui peut expérimenter et résultat qui peut venir, son résultat salvateur. La paix, bon Dieu, avec vous. Onction qui s'allie, onction son puissance. C'est pas nan market ou achetel. C'est pas pasteur qui baoul. C'est pas une dénomination qui baoul. C'est pas religion qui baoul. C'est pas pas zamitaï qu'on recevoil. Onction son puissance que seul papa, seul bon Dieu baille. Pas puissance Saint-Esprit, la paix mon Dieu avait. Par le Saint-Esprit ou recevoir. Donc, onction, pour ainsi dire, tout le monde t'a remé. Gagnel. Tout le convoité, tout le monde convoité, tout le monde t'a remé, gagnel. Mais est-ce que tout le monde a gagnel? Non.
parce que il y a condition pour remplir pour gagner. Il y a condition pour remplir pour accéder à lui-même. Pour gagner, il faut qu'on accepte, rester dans la présence de bon Dieu. Alléluia. Faut accepter rester dans la présence de bon Dieu. Ça qui pousse nous à dire que c'est sainteté bon Dieu. C'est sainteté bon Dieu à mes bien-aimés qui fait appel à onction dans la vie nous. Alléluia. C'est sainteté bon Dieu qui fait appel à onction dans la vie. Donc le onction frère semio dans la vie du monde. Qui ça le fait? Les révéler de manière spectaculaire un don ou bien plusieurs dons que bon Dieu te bail moun sa en tant que petit bon Dieu, en tant que petite li. Et sagesse là, c'est youn ladan yo. Ou bien c'est youn nan vertu, j'en ai dit yo, que Saint-Esprit vient révéler dans la vie au monde qui en bas onction, c'est-à-dire de manière extraordinaire. Qu'on pral ouais ça. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, moun ki recevoua onction sagesse là, frère Msemio. Qui ça le va le faire? C'est là qui recevoir onction sagesse là. C'est là qui recevoir onction ça mes bien-aimés. Il va le faire preuve de sagesse et d'intelligence hors du commun. Il va pas sembler à tout le monde. Dans comportement, il va pas sembler à tout le monde. Dans réflexion, il va pas sembler à tout le monde. Dans langage, il va pas sembler à tout le monde. Qui ça est hors du commun. Dans le comportement, il n'est pas semblé à tout le monde. Comment capable recevoir onction sagesse et puis pour sembler à tout le monde. Pour ne pas avoir la différence dans vous-même. Et puis vous pouvez chanter quant à moi je me suis ou sous onction. Vous pouvez chanter quant à moi je me suis ou sous onction. Ou c'est petit bon Dieu, ou c'est serviteur bon Dieu, ou c'est servante bon Dieu, yo pa wè différence là nan haut. Ou même gens ak tout lot yo. Ou fait partie de popou loa. Ou pas sorti nan loa. Car moun ki en bas onction, li fait preuve que en bas onction. Moun ki recevoir onction, li fait preuve que le recevoir yon onction. Et moun ki recevoir onction de sagesse là, li fait preuve de sagesse et de yon intelligence hors du commun. La Bible ban nou yon exemple palpable. La Bible ban nou yon exemple palpable. Qui exemple liye? C'est exemple pi grand sage de tous les temps. Qui te recevoir onction sagesse là? Nous connaissons de qui monde m'a parlé. Il s'agit bien sûr du roi Salomon. Et ça fait la parole de Dieu d'où là dans 1 roi, chapitre 3, le verset 12. Il est bien dit, mes bien-aimés. Les paroles, parole l'a dit clairement, n'a baoul en créole. Il dit m'a baou, somandéa. Ma bao plus connaissance ak plus bon comprendre parce que tout le monde parce que ni ça qui rete là en fond yo ni ça kap vin après yo. La paix bon Dieu avec yo. Amen. Mais onction mes bien-aimés, l'onction de la sagesse, l'onction de sagesse. Mais ça, bon Dieu, dit, oh, ma bo, ça ou mandea, ma bo, plus connaissance. Onction, sont plus que lié, mes bien-aimés. Onction, sont plus, la paix, bon Dieu, avec, oh,
plus connaissance, plus bon comprendre. C'est ça que fait le recevoir ou pas le faire preuve qu'on recevoir plus. Alléluia. Ou pas le faire preuve qu'on recevoir plus. Ou pas qu'à recevoir une onction qui c'est au plus. Et puis ou même gens avec tout le monde. C'est ça que fait le recevoir ou sorti dans l'eau ou pas différent de l'autre. Salomon fait preuve de une sagesse et une intelligence hors du commun. Parce que le bon Dieu dit, ma bao, plus bon comprendre, ma bao, plus connaissance. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen, amen, amen. Lorsque Salomon, mes bien-aimés, est dans la présence de Dieu, il t'a gagné grâce pour te demander ça, pour te demander l'Éternel face à face. Il n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas demandé le caille. Il n'a pas demandé le matériel. Jean Jodi, n'a pas gardé. Prière chrétien Jodi, là, et prière matérielle. 99.9% prière chrétien Jodi, et prière matérielle. Et prière matérielle. En rien de spirituel. C'est rare. Tu pries ou t'attendais, côté ou pral mandé les choses d'en haut. Mais toute prière, mes bien-aimés, c'est matériel. C'est caille machine, l'argent, pour vivre bien. C'est ça, mes bien-aimés. Salomon, c'est pas ça, t'es ouais. Salomon t'a visé en haut. Il t'a gardé les choses d'en haut. Li pa t'mande manje maï moulin pou atiri, li pa t'mande matériel, mais te mande sagesse pour te capable diriger peuple ça, pour te capable gouverner. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu le lui a accordé et lui a donné plus qu'il n'a demandé. Donc ça veut dire li vin recevoir plus sagesse. En plus de ça, mes bien-aimés, plus richesse, plus gloire. En plus de ça, j'ai ça, oui. Bon Dieu, bal richesse, bon Dieu, bal gloire. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'on pas remarqué que ma bénédiction est manifestée dans la vie où, lorsque ou a grandi dans sagesse, ça que moi-même j'ai du mal pour m'accepter dans n'importe qui j'en mounier, et puis il a dit c'est bon Dieu qui a béni ou dans n'importe condition où il est ou a béni, j'ai du mal pour me comprendre l'évangile ça moi-même. N'importe joyeux ou a béni. C'est nager ou nager dans bénédiction pendant que ou dans saleté ou nager dans bénédiction. J'ai du mal pour me comprendre ça moi-même. J'ai du mal pour me comprendre. Et ça fait Salomon pour déclarer que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est l'eau a grandi dans crainte là mes bien-aimés. Ou a grandi dans sagesse, ou a joui de bénédiction pour Dieu. Lorsqu'on agit par crainte, pour mon Dieu, ou a grandi en sagesse. Parce que craindre Dieu, voulait dire, mes bien-aimés, obéir à ses commandements. Alléluia. Le parlons de crainte, mon Dieu. Là, on parle de crainte Dieu, ça veut dire, il y a un monde qui a crainte pour mon Dieu, c'est pas un monde qui peur mon Dieu, non, mais c'est un monde qui obéit à la parole de Dieu, qui obéit à commandement mon Dieu, qui respecte ça, mon Dieu dit. Et pas un monde qui a vécu Jean-Lé, précepte lié, le Seigneur baillot, c'est pas pour malheur, mais il baillot pour bien. Le Créateur,
li défend nous pour nous commettre adultère. Est-ce que c'est pour lui? C'est pas pour lui. L'aile de camper loin péché là. L'aile de camper loin péché là. L'aile de lui mettre devant la vie et la mort et lui même lui conseiller choisir la vie. C'est pour lui? C'est pas pour lui. C'est pour bien, c'est pour vous-même d'abord. Certes, l'aile de ça c'est pour honorer ou pour honorer bon Dieu, mais qu'on y a l'aile mettre ça devant, c'est pour bien, c'est pour vous. Premier bagaille, c'est pour vous. Certes, la vie, est-ce que la vie aujourd'hui a honoré bon Dieu? Ou même qui recevoit onction sagesse là, ou même qui recevoit onction dans la vie, est-ce que la vie honoré bon Dieu? Est-ce que la vie honoré bon Dieu? Côté bon Dieu placé là, est-ce que ça va faire hein, ou honoré bon Dieu dans la donne? Est-ce que bon Dieu prend gloire dans kotoyé là? Dans vie ou ap mené, dans son affaire, est-ce que bon Dieu prend gloire la donne? Est-ce que vous honorez bon Dieu la donne? Tout ça bon Dieu baille, toute loi bon Dieu baille, tout précepte lié, toute ordonnance lié, li baille par amour et pour bien moun qui obéit à lui-même. C'est ça que fait. Ou bien sage et ou bien posséder mes bien-aimés, ou bien gagner clé sous toute domination, sous toute ou bien posséder clé domination sous toute création. La paix bon Dieu avec vous. Donc si c'est qu'on s'allie frère Semyo, le bon Dieu baou li bon pouvoir. L'elle te créé l'homme, il te bail l'homme tout pouvoir jusqu'à ce que l'homme te vienne faire compte mal taille. Eh bien, il perd du pouvoir ça. Mais Christ finit. Il reprend tout bagay back. Alléluia. C'est le cause ça, mes bien-aimés. Donc ça veut dire, onction sagesse là, il vient yon nan bagay qui est plus important que yon petit bon Dieu pour courir derrière. C'est peu bon Dieu avec là. Onction sagesse là. Li vini yon bagay ki pi important que petit bon Dieu a dwe genyen, dwe kouri deyèl, dwe gon désir fou pou li. Si la ki vle genyen onction sagesse la, premier bagay pou le genyen, li dwe gen crainte pou bon Dieu. La paix bon Dieu avè ou. Si la ki vle recevoir, si la ki vle gen onction sagesse la, premier bagay que le doit gagner, il doit gagner crainte pour mon Dieu. Si là, qui voulait gagner onction, faut reconnaître ça, mes bien-aimés. Que bon Dieu, c'est lui-même qui gagne toute bagay dans main. Faut reconnaître ça. Et ça fait l'homme sage là, le monde qui sage là, il reconnaît que bon Dieu, c'est mettre temps et mettre circonstance. Et li soumet li à bon Dieu. Ça fait ou pas qu'a dit ou sage et puis qu'on y a ou marcher jonvlé. Ou pas qu'a dit ou sage et puis ou faire sonvlé. Moun qui sage là, moun qui recevoir connaissance là, moun qui recevoir bon comprendre qui sorti dans bon Dieu là, son moun qui connaît que bon Dieu c'est mettant. C'est mettre circonstance là, moun ça pas plein et c'est moun qui va soumettre li à bon Dieu. Moun sa a soumettre li devant bon Dieu, li connaît que c'est bon Dieu qui gagne dernier mot. Comme ça, si créé bon Dieu, la Bible dit ou li est le commencement de la sagesse. Alléluia. Et retournez encore ou pas Jéril, Jéril pour moi s'il vous plaît. Si crainte bon Dieu, mes bien-aimés, c'est commencement sagesse là, ou ka poser une question qu'on y a, comment on capable passer à un niveau qui plus élevé de sagesse? Comment on capable passer à niveau ça? Proverbe chapitre 8, les versets 12 à 14, qui ça le dit? Il dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion.
La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La continue pour dire, dans Proverbe chapitre 8, 17 à 23, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or, l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Alléluia. Avant ses œuvres les plus anciennes, vous entendez? J'ai été établi. Alléluia. Depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. En réalité, frère Semio, craindre Dieu est la voie pour trouver la sagesse. L'aimé créatif, bon Dieu, l'aimé crainte pour bon Dieu, lui mène direct dans la sagesse là. Depuis l'aimé crainte pour bon Dieu, c'est route l'ambran, m'pa ka égaré. Donc, en aucun cas, mes bien-aimés, crainte là, pas ka empêcher ou approcher de bon Dieu. Au contraire, alléluia. Parce que la crainte, mon qui comprennent que l'on a barrel, a empêché l'approcher, c'est mon qui, peur mon Dieu. C'est mon qui faut comprendre, c'est peur pour peur mon Dieu, crête pas peur. Ça fait grand pile mon qui confond, yon pasteur, yon peur pasteur, vous voyez, parce que ça fait yon peur, yon dirigeant ça yon fait yon peur, et puis yon comprenne, c'est mon Dieu, yon peur. Non, mon Dieu pas servi avec la pérèse, mon Dieu pas bâille mon pression, il va faire mon peur. Non. C'est peut-être ça, mes bien-aimés. Si nous suivons bien le texte là, ça le dit, nous pourrons remarquer que c'est Seigneur Jésus même qui a parlé, ou bien que Jésus a parlé en la personne de la sagesse. Est-ce que bon Dieu avec moi là? Amen, amen. Alléluia. Est-ce que Jésus, c'est pas la parole, mes bien-aimés? Yes, amen. Qui fait le chair pour le réconcilier, nous avec bon Dieu? Pas vrai? Mm-hmm. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, parole l'a fait chair pour le capable réconcilier peuple-là avec bon Dieu. Donc, c'est parole-là même, c'est Jésus même qui a parlé en la personne de la sagesse. Alléluia. Merci Seigneur. Donc le Seigneur Jésus est la sagesse. Le Seigneur Jésus détient la sagesse. Donc onction sagesse là avec lui. Onction sagesse là dans lui. Ce peuple bon Dieu attendez samedi là. Amen, amen. Onction sagesse là avec Jésus. Et onction sagesse là, ou pas je n'ai aucun autre côté, ou je n'ai c'est dans Jésus lié. Ça qui est intéressant aujourd'hui pour nous connaître, frère Semio, c'est que tout ça qu'on voulait gagner, ou ap gagner, tout ça voulait gagner, ou ap gagner, ça le dit, oui, mandé. Jacques 1, 5, tout ça. Si gagne ou nous qui manque sagesse, mandé le. Tout ça on veut gagner ou ap joindre ou ap gagner li di ou mande y a ba ou chercher ou ap joindre frapper y a l'ouvri pou donc sou ou gen ou désir jodi a sou gen désir ou ta remè gen onction ça ou capable gagner li pas réservé à une catégorie de monde li pas réservé à pasteur yo seulement. Il n'est pas réservé à évangéliste seulement. Il n'est pas réservé à docteur seulement. Il n'est pas réservé à apôtre seulement. Il n'est pas réservé à prophète seulement. Il est là pour tout le monde.
tout le monde qui a cherché à joindre, tout le monde qui a demandé à baou, tout le monde qui a frappé à l'ouvrir pour vous. Je ne sais pas si vous avez cherché matin, je ne sais pas si vous avez remis onction ce matin, je ne sais pas si vous avez remis accéder à onction sagesse là. L'essentiel c'est que si vous avez cherché, vous avez joindre, si vous demandez le matin, vous avez recevoir. Alléluia. Parce que meilleure façon pour chercher, meilleure façon pour arriver à gagner, c'est lorsqu'on plonge dans la parole de Dieu. Ou lit, ou médite la parole de bon Dieu, qui gagne proverbe à la donne, qui gagne livre ecclésiaste la donne, qui gagne tout l'évangile, qui gagne Job la donne, qui gagne tout l'autre livre, qui gagne l'épître de Jacques la donne, qui chargé avec révélation indescriptible, qui est capable de rendre nous sages, mes bien-aimés, à saluer. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen, amen. L'important, je dis, pour qu'on ait, l'important pour nous préciser pour vous, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que la sagesse n'est pas synonyme de ruse ni de malice. Il y a des gens qui comprennent, lorsque vous avez rété, la fête ruse li, les prenti pose, la mené ti kol, li rete ti kol doucement, et puis yo di a moun sa sage. Ou moun ki sou bluff, oui. Ti rouge la fait, li pren pose calme li. Li pren pose calme li, puis pou le régler cause il. Son impression que le bail. Ça que nous dou, sagesse, ça li pas synonyme de ruse, ni de malice. C'est ça que fait gen différents types de sagesse. La sagesse, qui sorti en haut, sagesse divine, spirituelle, là, surnaturelle, là, ou cultivez dans le bien, dans la justice, dans l'amour, dans la droiture, dans l'honnêteté, dans l'intégrité. Qu'on y a, il produit des fruits. L'on cultive sagesse là, dans sa yo, dans justice, dans l'amour, dans la droiture, dans l'honnêteté, dans l'intégrité, etc. Il pral bail des fruits, il pral produit, il pral bail bon don. Li pa ki bay ki don ou ap jwenn la paix. Yon moun ki gen sagesse ki sorti en haut, ah, sagesse divine nan, li pa kap nan guerre, li pa ka nan division ak aucun moun. Li pa ka nan zizani, li pa ka nan chirépite. Parce que sagesse en haut, ah, ap menel moun sa la pral produit la paix. Li pral produit fruit sa ke yo rele la paix. Tout côté le passé c'est la paix la bay, li pral un artisan de paix. Parce qu'on pral connaît il vaut mieux la paix que d'avoir raison. Ou pral konnen, c'est pas question de gen raison. Non, c'est une question de faire la vérité jaillir. C'est une question de révéler à tout le monde qui ça qui nan ou, Jésus qui nan ou, c'est lui. Ou pral adopter la formule de Jésus. Il pas j'aime dire rien. La paix. Ou pral bay, ou pral produire la joie. Parce qu'il n'y a aucune joie comparable à celle qui découle de la bonté du cœur et de la justice rendue à l'autrui. C'est la joie parfaite, ça que apôtre Jacques a parlé là. Joie qui sorti en haut, c'est pas joie qui sorti dans circonstances, dans l'argent, dans poche ou dans bon job que vous gagnez. Non, il pas que comprendre ça. Parce qu'on ka manger ou ka mener belle activité. Non. La joie qui sorti en haut, qui pas gagner à haut à circonstances. Il pas produire la patience que ou pral gagner à partir de confiance qu'on mette dans bon Dieu. L'on pral faire la foi ou agir. Confiance qu'on mette dans bon Dieu, tolérance qu'on peut développer vis-à-vis de frères et sœurs, l'on peut accepter les gens. Il faut produire l'humilité, parce qu'on connaît que l'humilité précède la gloire. Pas qu'il n'y a aucun monde qui peut arriver dans la gloire sans ça. On peut produire abondance, les doux, nous doux, l'organien, la bonne abondance, même Jacques Salomon, richesse, réussite et succès. Parce que ou son monde qui avisé. Lorsque la sagesse dans le monde, son monde qui avisé. Ou pas insensé, ou pas en tête chaud, pas fonctionner avec la folie. Même si on connaît que ou ta doit jeter pain ça, Jean yo dit, à la surface des eaux, eh bien, ou pas investi n'importe comment. L'important pour discerner moment yo. L'important pour discerner qui côté pour mettre pied yo. L'important pour connaître qui bon pour aller. Qui côté pour investir. Elle va le bon, la vie. La vie, parce que vous pouvez le contrôler tête. Son médité dans le cœur là, ça cap sorti dans la bouche, vous pouvez le connaître qui côté le sorti. Parce que la Bible dit pour veiller sous pensée, pour veiller sous cœur, pour veiller sous langue. Car tous deux,
pour voir la vie avec la mort, c'est la dame yoye. Donc, en somme, mes bien-aimés, pour nous finir, onction sagesse là, je dis, je veux dire, il est disponible pour n'importe monde qui veut. Parce que il est en Jésus-Christ. À vous-même qui voulez, ou qu'à recevoir le jour d'hier même, bonheur là, attendons. Jésus-Christ là, bras l'ouvri pour le recevoir. Et si vous dites oui, la pentrée, la soupe, et la prêter avec vous. Quand matin la frappe dans votre cœur, et si vous l'ouvri, vous allez recevoir onction ça, et vous allez recevoir bonheur, et vous allez recevoir un véritable package. Et m'a fini avec parole ça que nous jouons dans Proverbe chapitre 8, les versets 32 à 36. L'hebdo, et maintenant mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies, écoutez l'instruction, pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Si la parole ça m'a quitté, oh. Choisis la vie. Lorsque choisis Jésus, vous joignez la vie. Ou bien faveur, bon Dieu. Sous dans d'eau le matin, le Seigneur fait grâce autant des paroles ça. Pas fait être aide. Pas en Dieu si cœur. Mais quittez. Quittez l'esprit, bon Dieu. Parlez avec vous. Car la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur.